Ouais. Bon, allez, traite de bavardage, lancement. Aujourd'hui, on se retrouve donc, comme vous l'aurez compris, pour le test du 12600K de chez Intel. Et d'ailleurs, je vais peut-être commencer cette vidéo un peu sur un coup de gueule. Pourquoi ? Parce que justement, en une semaine de retard plus ou moins, on va dire que c'est un semi-retard, parce que je voulais vraiment vous sortir cette vidéo en ayant tout testé sur l'architecture. Et là, vous aurez au moins une vidéo complète, récapitulative, en tout cas de ce que je pense sur ce i5 et en termes général. Et pourquoi je vous dis ça ? Ben, parce que j'en ai vu un peu à gauche, à droite, les pro-défenseurs AMD Intel, vous savez, cette fameuse guerre Xbox PS5. Au moment, les gars, va falloir arrêter de défendre AMD, Intel, Nvidia, comme si c'était vos parents. Hein. Eux, ils sortent des processeurs, etc. Ce processeur, il a peut-être 3, 4, 5 ans de production et de réflexion. Donc, à un moment, on sort, on compare ce 12900K à un 5950X. Mais le 5950X, il était même pas réfléchi pour Intel à l'époque. Ça se trouve, c'était le 1700X qui était en place à l'époque. Parce que, ouais, effectivement, c'est quand même grave. De réfléchir comme ça, avec l'avancée technologique, moi, je trouve que c'est bien d'avoir une réelle concurrence. Le 12900K est peut-être décevant pour certains, peut-être bien pour d'autres. Il y en a qui vont apprécier le 12900K. On en reparlera dans un test prochainement. Vous avez vu qu'il est sur ma gauche avec le i5. Mais il faut le remettre un peu dans le droit chemin. Actuellement, on a une architecture d'Intel qui revient à la course et qui est concurrente à AMD, et j'en suis très content. Pourquoi je me dois de commencer cette vidéo par cela ? Tout simplement parce que je suis aussi le premier à vous mettre des miniatures à l'époque d'AMD qui a littéralement écrasé Intel, et je n'étais très content parce que AMD est revenu dans la course. Maintenant, si Intel revient dans la course, c'est justement parce qu'on fait des tests legit et qu'on trouve un certain intérêt à l'architecture ou non. Et ça, j'ai certaines personnes qui ont du mal à comprendre que c'est pas parce qu'on porte un t-shirt Intel, ça n'empêche rien. La vidéo n'est pas sponso, voilà. Il fallait que je commence par ceci, parce que je n'ai ni patrie ni maison. Si demain AMD revient dans le lead, je serai le premier heureux, et à l'inverse, si Intel reste devant ou passe devant, tant mieux pour eux. Moi, en tout cas, ce que je suis content de constater, c'est de voir qu'on a une réelle réponse au Ryzen 3000, même pas 5000, 3000 de la part d'Intel, avec des CPU qui commencent à être réfléchis pour aller combattre AMD. Et du coup, les amis, justement, qu'est-ce que Intel vient nous ramener pour concurrencer AMD ? Donc, on a plein de nouvelles technologies, la DDR5, le PCIe 5, etc. Enfin, c'est les deux plus grosses techno qui vont nous intéresser. Il n'y a pas de gros changements, hormis l'architecture hybride. Et justement, avec la petite display à ma droite, on peut voir l'architecture du processeur en version hybride. Donc là, on voit les gros carrés là qui sont, que je vous montre ici, là, c'est les Picor. Donc là, c'est une puce de i9-12900K. Et en dessous, on voit les i-cores, donc par slide de 4 de chaque côté. Voilà, eux qui viennent, les efficient cores, qui viennent partager les grosses tâches lourdes avec les p-cores. Alors, P pour performance, I pour efficiente. Vous l'aurez compris, en gros, des cœurs qui consomment pas beaucoup, qui sont ultra efficients et qui vont faire tout le boulot. Et à l'inverse, des cœurs P, donc performance, qui eux vont avoir le max de fréquence, le max de puissance au final, et qui vont être plus utilisés finalement pour vos jeux, etc. etc. Donc, une architecture complètement hybride et qui va changer en fonction de l'utilité de notre CPU. Alors là déjà, attention, on va déjà mettre un gros là, parce que je pense que dans la tête de certains, genre, il n'y a que les efficient cores qui vont tourner pour les applications, il n'y a que les p-cores qui vont tourner pour le jeu, et basta. Alors non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut réfléchir ça autrement, plutôt les p-cores et les efficient cores qui vont être utilisés à toutes les tâches, si vous avez qu'une seule tâche sur votre PC, et les cœurs qui vont se séparer au final au niveau de leurs tâches quand vous allez faire du multitâche. Imaginons que justement vous avez envie de faire, je sais pas, du rendu et du jeu, et à la place que votre CPU soit laggy, que ça lag, que ce soit pas fluide, etc., parce que finalement votre CPU est à 100% à cause du rendu, les efficient cores vont plus travailler, vont continuer le rendu, les picores aussi, mais ça va libérer la place qu'il faut pour votre jeu, et ça va être beaucoup plus agréable. Alors ça se passe avec l'OS Scheduler de Windows, et justement on va tout de suite faire un point là-dessus, parce que c'est les premiers CPU qui sortent avec Windows 11. On va déjà le mettre carte sur table. Si vous achetez un 12e génération, il
il faut absolument passer à Windows 11. Et ça pour plein de raisons en général. Déjà, la performance, parce que ben, c'est dommage de ne pas gratter les 2, 3, 4, 5% de performance que Windows 11 nous apporte. Mais surtout pour une chose, c'est que les applications ne fonctionnent pas correctement avec Windows 10. Alors je m'explique, quand je dis elles fonctionnent pas, c'est pas qu'elles fonctionnent pas du tout, qu'elles s'ouvrent pas, des problèmes, non. En fait, c'est l'OS scheduler qui va finalement ben, pas fonctionner correctement et qui va pas dire Efficient Core fonctionne avec Picore, il va juste dire Efficient Core tourne tout seul. Alors c'est bien parce que j'ai pu voir que les Efficient Core en tournant tous ensemble consomment littéralement que dalle parce qu'on était sur 40 watts de conso alors qu'elle tournait à 100% et sur un Cinebench R15 on sort quand même des 670 points. Pour vous donner un peu une idée, c'est comme si vous aviez un 7600K qui tournerait à fond. Un 7600K, presque un 7700K un peu downclocké, quoi. Ça commence à se discuter, hein. Un i7 de 7ème génération, c'était les premiers cœurs Skylake. Bon, ça commence à devenir intéressant, sachant que là, ils ne sont pas hyper tradé. Donc oui, il est vraiment important de passer à Windows 11. En gros point, ceux qui vont utiliser du Windows 10 ou les benchmarks que vous avez pu voir passer sur Windows 10, il y a de fortes chances qu'ils soient faussés. Donc ça, ben, c'est un premier point, c'est vraiment important ben, qu'on en parle, parce que je pense que tout le monde n'était pas prêt à passer à Windows 11 tout de suite. Alors c'est bien les amis, dit comme ça, je vais vite fait le point un peu sur l'architecture hybride, qu'est-ce que ça ramène, etc. Alors vous aurez compris, hein, les deux cœurs, les gros cœurs et les petits cœurs, parce que je vois énormément de monde qui parle ça comme ça, il faut quand même se rendre compte que les Efficient Core, donc les petits cœurs, fonctionnent comme des cœurs donc de 10ème génération à 1% près, mais en gros c'est ça, ben ça reste déjà correct. Et justement, les 20%, 19-20% annoncés, et vous allez voir, on y est, sont quand même assez correct, parce que on va pas se mentir, ça fait du bien de voir Intel revenir de la course à l'IPC, donc IPC instruction par cycle. Ça va permettre de savoir les données traitées par le CPU dans un seul cycle d'horloge, et c'est comme ça qu'on arrive à calculer ben, la puissance d'un CPU. Et là donc 20% de performance en plus en IPC en single core, ça fait du bien de revoir Intel. Du coup on attaque par le 12600K, donc c'est un 10 cores 16 threads, donc 4 cores efficientes et 6 cores performance. Ensuite, on a le 12700K, donc c'est un 12 cores 20 threads, donc 8 cores performance et 4 cores efficiente. Et enfin, le 12900K qui est un 16 cores 24 threads, qui lui donc a 8 cores P et 8 cores efficiente, et qui est le flagship de la gamme. On n'a pas encore de processeur ben, intergénérationnel, on va dire genre le 12400F entre le i3 et les i5. Donc on va voir arriver au fur et à mesure ben, la gamme s'étoffer, les i3, les i5 non overclockables, etc. Et enfin pour terminer, donc on a la consommation annoncée, donc le TDP, le Thermal Design Power, donc ce qu'il faudrait pour refroidir votre CPU. Un 12600K est annoncé à 150 watts, un 12700K est annoncé à 190 watts, et le 12900K à 241 watts. Voilà, histoire de conclure là-dessus, parce que je sais qu'on va me parler de cette consommation, mais on va y revenir tout de suite. Parce que oui, les amis, justement, le point de défense et que je vois partout, etc., dans toutes les vidéos, dans tous les commentaires entre AMD et Intel, c'est oui, mais la consommation de ces CPU. Alors, il va falloir remettre un petit peu les choses en ordre, parce qu'il y a des nouvelles technologies, genre le PL1 est égal à PL2, mais en gros, avant, Intel, avec leur PL2, pouvait se réduire au niveau du PL1. Ça veut dire que, je sais pas, vous consommiez un moment, je sais pas, 300 watts, parce qu'à 11900K, on y arrivait, on pouvait aller lui chercher 280, 270, 300 watts pendant un certain temps, et d'un coup, boum, il descendait et il se remettait à 160, 170 watts. Mais en gros, ben, ces histoires de PL peuvent être complètement changées par une seule valeur dans le BIOS, donc PL1 est égal à PL2, et au final, on se retrouve avec la performance de PL2 à 24. Ça permet de faire gagner très peu de performance, mais on en gagne. Alors justement, on va en parler de cette consommation parce que en idle, le CPU, je l'ai trouvé ben, très peu consommateur, justement. Et on est entre 11 et 20 watts, en dessous de certains Ryzen, où on voit certains pics avec des tensions de V-Core qui sont juste insane, hein, vous le savez, les B550 ou X570, si on ne les stabilise pas, des fois, on voit le CPU booster d'un coup à 1,45, 1,50, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc déjà ça, faut le placer en idle, c'est pas bien violent. Et aussi, il faut souligner qu'avec leur nouveau process là au niveau des CPU, comme quoi finalement la couche est plus fine au niveau du die, etc., ben on voit l'impact parce qu'on se retrouve avec des températures beaucoup plus basses que je n'ai même jamais vu. On est entre 22 et 27 degrés en idle, ce qui est plutôt pas mal, sachant que on a une bonne dizaine de degrés en plus sur un 10900K ou 11900K sur le même refroidissement, donc water cooling custom, parce que oui, tout le test a été fait avec un water cooling custom, en tout cas à mon niveau. Ensuite on enchaînera donc à stock sur un Cinebench R20, on se retrouve à entre 130 et 139 watts,
qui reste encore assez acceptable à mon sens pour la performance donnée, ça on y reviendra aussi après, et on est entre 55 et 60 degrés. Encore une fois, ça reste vraiment honorable à stock, parce que j'ai vu d'autres CPU chauffer beaucoup beaucoup plus, aka le 11900K, qui finalement performait moins que ce i5, et qui consommait plus et chauffait plus. Et c'est seulement en overclocking, donc sur Cinebench R20 encore une fois, où on voit la consommation exploser, parce qu'on passe à 203 watts au maximum du pic que j'ai pu voir, à 85 degrés, donc là on voit que le CPU il donne tout ce qu'il a. Ça d'ailleurs on peut aussi le retrouver avec PL1 égale PL2, parce qu'on prendrait par exemple le 5800X, on peut aussi le faire monter à 200 watts sans trop de problèmes, et ces températures on les dépasse allègrement. Enfin, restera en gaming, et là d'ailleurs je vous passe plusieurs extraits, et vous voyez qu'en gaming, bon j'ai pas besoin de vous le dire, la consommation, ça varie, on est entre 45 et 93, 95 watts, c'est la moyenne que j'ai pu piquer, donc ça reste honnête. Au final, on se retrouve aux performances aussi d'un 5800X, voire en dessous, mais au final, il faut pas oublier que le 12600K a quand même 4 cœurs efficientes de plus, et finalement est plus performant. Le i5 se débrouille pas trop mal. Et au niveau température, bon voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Avec le water cooling custom, ça tourne grosso modo entre 40 et 50 degrés. J'ai vu peut-être 52, 53 degrés à un certain moment, mais franchement, y a rien de bien inquiétant. Et pour clore le sujet consommation et température, on va vite fait aussi parler justement de ce PL1, PL2 et de ses pourcentages de gains, parce que vous allez voir que c'est pas forcément très très rentable. Donc il faut quand même se dire qu'on passe d'un score de 6684 points à un score de 7170, ce qui nous fait 7,27% de gain, mais pour une consommation qui augmente un peu drastiquement, de 56,10% de gain en plus pour cette consommation. Comment vous dire que je pense que les 7% pour 50% de consommation en plus, on peut peut-être s'en passer. Mais il faut quand même savoir que en overclocking, on arrive à aller tirer encore un peu plus, et là on vient creuser clairement plus l'écart. Bon, et maintenant que je vous ai parlé de consommation, de la technologie, etc., on a un peu décortiqué tout le CPU en général, de quoi je pourrais bien vous parler. Et ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de vous en parler. C'est Jigfio Backstage. Pourquoi ? Parce que là, on vient de finir un stream. J'ai streamé donc juste avant sur la configuration Intel. Alors là, on va la voir, elle est juste derrière moi, elle est là. Du coup, je vous reprends dans ce sens-là et vous pouvez voir qu'on a fait un petit setup un peu à l'arrache. Un autre micro alors que mon micro est là, ma caméra est là, etc. Là, on voit le clip que j'ai fini là sur PUBG, on a fait top 1. Bon du coup là les amis, on a tenté le slow avec les paramètres que j'ai mis à l'intérieur d'OBS. On finira sur quelque chose de bien quand même là. C'était plutôt cool, on a streamé jusqu'à 6h le matin, j'ai lancé un stream à minuit 30, 1h, vous étiez 130, c'était juste dingue. Et je voulais vous dire que je vous ai un petit peu menti au final, parce qu'on était sur cette configuration, donc l'Apex, la 2080 Ti et le 12600K, pour voir si on pouvait streamer et jouer sur la même configuration, ça a été plutôt concluant. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment kiffé faire ça, même si c'était un petit mensonge, mais voilà. Bon vous l'aurez compris, entre ces efficients cores et ces performance cores, c'est vraiment ce qui m'avait tilté à la présentation d'Intel, et je me suis tout de suite posé la question, est-ce qu'on peut streamer avec le i5 sur une seule machine, tout en jouant à des jeux compétitifs? Et la réponse est oui, on peut faire les deux. Alors là, je parle plus pour les streamers qui connaissent un peu les réglages d'OBS, mais en gros, on a pu descendre jusqu'à du slow, les amis. Donc un CPU qui fait jeu plus stream, clairement, sur un i5, c'était même pas imaginable il y a encore de ça même un an. Bon, en tout cas, il fallait que je fasse ce test parce que je pense que c'était important, et encore une fois, on voit que ce CPU vient littéralement se mettre côte à côte des gros i9 de l'époque. Et vous allez voir que même le 5800X est complètement dépassé. Pour le stream, c'est pareil. Essayez, faites le test chez vous, prenez votre 5800X, allez faire du test en jeu, mettez-le en slow avec les mêmes paramètres. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mets mes paramètres actuellement dans la description, donc allez voir. Faites le test vous-même et vous allez vous rendre compte de la performance finalement de ce 11600K avec cette technologie hybride, comment c'est ultra ouf au final au niveau du stream. Bon, maintenant on va parler de ce qui vous intéresse le plus, ça va être le gaming, même si moi je me pose encore actuellement la question pourquoi on teste autant de jeux en gaming sur des CPU et pourquoi ça m'a pris aussi longtemps de vous sortir les performances, parce que j'ai dû refaire tout le protocole de
test, tout simplement, puisqu'on passe sur Windows 11, donc j'ai repassé All CPU sur Windows 11. Du coup, avant d'attaquer ben, les benchmarks en 1080p, parce que là, je vais vous passer que du 1080p. En vrai, il n'y a pas de grands intérêts de passer du 1440 et du 2160. Et pour la configuration de test, donc on était sur une Z690 DDR5, donc la Maximus Apex. Comment dire, Asus ? Merci ben déjà de m'avoir envoyé la carte mère. On remerciera aussi Corsair de m'avoir envoyé un kit de DDR5 en Dominator Platinum. Et je pense qu'on a fait le tour, peut-être le bloc de refroidissement de chez Hybrid Cooling, l'Elite Pro. Voilà, un super waterblock et qui était adaptable pour du LGA 1700. Et ça, c'est un gros plus. Bon, trêve de bavardage, lancement des benchmarks en 1080p. Voilà les potes, et là, vous êtes en train de vous dire « Waouh !» Tout ça pour ça, Viction ? Ouais, effectivement, c'est aussi ce que je me dis. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires, et ça c'est important, quel jeu vous avez envie de voir arriver dans les benchmarks. Je tiens à préciser qu'il faut que le jeu soit reproductible à l'infini, genre Forza par exemple, Horizon, pourquoi pas, on pourrait essayer de trouver un endroit à faire, etc. Voilà, c'est l'intérêt d'un benchmark, que ce soit reproductible à l'infini, que ce soit juste au final. Bon, l'interlude du benchmark fini, ce CPU, qu'est-ce que ça nous donne en termes de performance face à la concurrence, parce que le 5800X était devant le 11900K au final. Là, par contre, on a une réelle concurrence. On voit que le 5800X est devancé de très peu, alors de 0,7%, les amis. Yes! Mais il faut quand même souligner qu'on est passé devant, voilà, c'est important, parce que je pense que c'est un des CPU qui s'est vendu le plus avec le 5600, hein, en termes de prix, etc. Les gamers prenaient juste du 5600, les streamers et tout ce qui était applicatif prenaient, attaquaient en tout cas au 5800X. Donc on voit que ce i5 ben, vient challenger une gamme au-dessus, finalement, il y a un certain intérêt. Bon, après, pas de quoi non plus s'emballer, hein, parce que 2 FPS de différence, ouais, bon, voilà, 2 FPS entre un 5800X et un 12600K, pas vraiment grand intérêt. Mais par contre, à côté, ben, il faut aussi remarquer que le 11900K se prend 3% et que le 10900K, qui lui aussi a 10 cœurs, se prend 3,7% en gaming. À l'œil, ça ne se ressentira pas. Mais là, par contre, où on voit quand même un grand changement, les amis, c'est sur le 3600X.
on voit quand même 11,5% d'écart, 27 FPS, donc là on voit quand même qu'il y a un gain générationnel. Et ceux qui pourraient se poser la question finalement, est-ce que je veux changer de mon 3000 vers du 12000 ou vers du 5000, bon là il y a un intérêt, pourquoi pas, de changer, et encore, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait le pas. En tout cas, dans le gaming, les amis, je vais pas vous mentir, l'intérêt est vraiment minime de passer à ces 12000, ils reprennent le lead, mais clairement c'est pas pour ça que j'achèterais ce CPU, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, on va s'attaquer à l'overclocking de ce CPU. Donc en gaming, on change totalement l'architecture. Il y a plein de nouvelles logiciels qui sont sortis. Je tiens à préciser que pour les overclockers qui me regardent, Turbo Vcore pour Asus fonctionne. Donc ceux qui veulent l'utiliser, allez-y, ça marche. J'ai pu aussi tester XTU, donc sous OS, c'est fonctionnel aussi, ça fonctionne. Mais je suis quand même resté plus terre-à-terre avec le BIOS en termes général. Et là-dessus, on voit qu'il y a énormément de paramètres qui viennent se rajouter. Le fait qu'on puisse venir overclocker l'épicore différemment des efficients de corps et qu'on puisse encore les overclocker corps par corps, chacun, et qu'on puisse aussi aller overclocker le cache et par-dessus tous les paramètres en plus. L'overclocking de la RAM, forcément, grand changement puisque DDR5, le contrôleur est sur la RAM, j'ai pu voir que certains contrôleurs ne fonctionnaient pas pareil, que certains n'acceptaient pas certaines tensions, enfin etc. Donc pour ceux qui veulent faire de l'overclocking, la plateforme va être kiffante parce qu'on a plein de choses nouvelles et plein de choses qu'on doit apprendre. Et du coup, dites-moi si vous voulez une vidéo de comment overclocker son processeur Intel de nouvelle génération sur la chaîne. On notera toujours la présence de AI overclocking et de la prédiction de Asus, ça c'est très très appréciable. Pourquoi ? Parce qu'on voit que chaque année ça s'améliore au fur et à mesure. D'ailleurs, il faudrait que j'en parle en vidéo parce que AI Overclocking, c'est un des seuls soft directement intégrés aux cartes mères en overclocking automatique qui fonctionne plus ou moins pas trop mal et qui a juste, en tout cas sur la prédiction, aller à 95% des cas, je pense. Et parce que le SP, la note donnée par la carte mère au processeur, est rarement fausse. Et quand on fait un AI Overclocking, donc on laisse la carte mère gérer, on arrive à des performances assez hautes. D'ailleurs, je vous laisse encore un tweet de Capremix, qui est allemand, qui lui a aussi joué avec AI Overclocking sur une Z690 en DDR4, une Strix A de souvenir. On voit qu'il a aussi des gains assez violents sur son 12900K, 5,5 GHz. Enfin, c'est assez insane et on voit qu'Asus là-dessus bosse de plus en plus. C'est un plus non négligeable. Après, quand on a une Apex, je ne pense pas que ce soit forcément la feature ce qu'on utilise le plus, mais la prédiction est rarement fausse et elle nous donne des tranches et des fourchettes assez justes pour overclocker notre CPU. C'est toujours des indications qui sont bonnes à prendre. Bon, maintenant qu'on a décortiqué l'overclocking sur Alder Lake, traite de bavardage, lancement. Si vous attendiez à des paires de ouf avec l'overclocking, vous allez être déçu. Parce que clairement, encore une fois, en jeu, c'est pas ouf ouf. Après, moi, j'ai pas forcément le meilleur CPU du monde, de ce que j'ai vu, les amis, 5 Go. J'en ai vu qui ont passé des 5.1, 5.2 sur leur 12600K. Bon, c'est pas forcément la folie. Alors, je pense que je peux le monter à 5.1, ça doit pas être trop problématique. Mais au niveau des consommations, de la température, etc., c'est pas réellement intéressant. Les efficients de corps ont bien monté. On est passé de 3.6 à 4.3 de souvenir. Enfin, voilà, il y a un certain regain et le cache aussi, mais enfin franchement pas forcément la grande panacée quoi. Je m'attendais quand même à des gains peut-être un peu plus haut. Après, c'est pas forcément les jeux qu'on verrait le plus de différence. Faudra peut-être qu'un jour j'aille bencher sur du Valorant ou du CSGO. Là, on aurait des vraies différences de performance. Mais franchement, bon, c'est pas ouf ouf. Et ça rentre finalement dans ce que je disais déjà avec le 11900K et le 10900K. L'overclocking, CPU, c'est pas forcément ce qui ramène le plus. C'est beaucoup plus intéressant sur le GPU. Et justement, les amis, le synthétique, tout ce qui est benchmark professionnel. Là, par contre, le 12600K, il a un réel intérêt. Et l'overclocking aussi, parce qu'on vient encore gagner ces 10%. Alors, quid de la
chauffe hein, et des consommations, parce que comme je vous l'ai dit, on gagne encore 10% à 10 à 12, 13% en overclocking avec ce CPU. Bon, la température et la chauffe, on a aussi 50% de gain, donc l'intérêt est pas forcément concret. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire, mais clairement, quel bonheur les amis de voir un i5 se débrouiller aussi bien en synthétique, c'est ouf. Dans les benchmarks pro, vous allez le voir, il banane tous les autres CPU. Alors, j'abuse un petit peu, peut-être pas le 10900K, mais bon, il se défend bien aussi, on va en reparler juste après. Trait de bavardage, lancement. Et nous revoilà les potes, et puis là vous pouvez remarquer quand même qu'en benchmark synthétique pro, il fait mal le i5, hein. Un i5 aussi performant. Bon, en soi ça allait avec le stream, de ce que je vous ai dit, en stream ça performait de ouf, donc forcément en applicatif ça allait performer de ouf. Et que dire, parce que hormis sur Cinebench R15 qui est le plus vieux des Cinebench, R20 il met la pine à tout le monde, c'est vraiment sévère. On voit qu'en termes de performance sur Cinema 4D, ben, il est aussi haut que le 5800X qui lui est overclocké, enfin, c'est juste dingue. Et le 12600K lui est à stock, donc enfin c'est juste ouf que ce soit sur Premiere Pro où on gagne un temps non négligeable, même comparativement au i9 les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le 11900K avait déjà un gain de 20 secondes de souvenir face au 10900K, sachant que le 10900K avait 2 coeurs de plus, mais là c'est une dinguerie, on a une minute de différence, enfin, c'est ouf, et du coup ça nous fait un gain réellement pertinent au niveau de ces générations, surtout pour un i5. Et du coup ben, c'est 10 à 15% de performance en benchmark synthétique et professionnel, ben, ça me permet de rebondir un peu vers la conclusion en disant que ce CPU, est-ce qu'on en a réellement besoin pour du gaming? Non. Est-ce qu'on n'en a pas plus besoin finalement pour de l'applicatif? Si, clairement. Et je pense que ce 12600K, les amis, ben, vous l'aurez compris, c'est le CPU pour monsieur tout le monde. Il est à un prix défiant beaucoup de concurrence parce que vous voyez qu'il vient ratatiner tous les i9 depuis l'existence des i9. Hein. Les Ryzen 7, poubelle. Donc, c'est assez violent de se dire qu'en applicatif, un i5, les amis, les ramasse tous. Genre c'est assez insane et je pèse pas mes mots parce que je suis vraiment hypé de me dire de pouvoir proposer ce genre de CPU à 320€. Mais du coup les amis, il faut aussi parler des choses qui fâchent. Et oui, parce que forcément, si on prend que le prix du CPU, ah bah là, le prix du CPU c'est facile, hein, comparativement au prix d'un 5800X qui lui varie en fonction de 350 à 400, 420€, et même un 5900X, puisque on est plus haut, à 520, 550€, bon voilà. Il n'y a pas de discussion, le CPU est ultra intéressant, le problème reste là. Plateforme. Parce que oui, le Z690, on n'a pas encore de B660, on n'a pas encore les cartes mères budget, et on va en avoir besoin. Parce que clairement, quand on voit le prix, les amis, du Z690, waouh! Les premières cartes mères qu'on va retrouver finalement en termes de tarification, c'est 210€, 220€. D'ailleurs, dans la description, je vous mets des cartes mères d'entrée de gamme en DDR4. Pourquoi pas de la DDR5? Puisque j'ai fait ce test en DDR5. Au vu d'innombrables tests que j'ai pu voir, clairement, entre DDR4 et DDR5, l'intérêt est vraiment très limité. À moins de passer sur de la DDR5 à vraiment des vitesses de fou, là on parle au-dessus de 6000, l'intérêt va forcément aller plus du côté de la DDR4 qui est elle bien moins chère. Comment vous dire que 400€ de différence au niveau de la RAM c'est pas négligeable et ça va réfréner énormément de monde. Donc déjà
passer sur de la DDR4, c'est important. Donc les amis, ma conclusion sera un gig coup de cœur pour ce CPU, parce qu'on est quand même sur un réel retour d'Intel, on en déplaira à certains et en plaira à d'autres. Le 12600K, les amis, c'est une dinguerie, c'est le CPU qu'il faut pour tout le monde au final. Et pour terminer la vidéo, ben j'ai pas grand chose à vous dire de plus, hormis que choisissez bien votre CPU en fonction de ce que vous allez faire. Forcément, si vous avez déjà du 5000 ou du 10000, 11000, est-ce que l'intérêt va être là de changer pour un 12600K? Je ne pense pas. En tout cas, en gaming, la question pourrait se poser un petit peu entre un 5800X et un 12600K en fonction du prix des deux. Pour le synthétique ou les pros, enfin les pros, les semi-pros, parce que je pense que les pros visent de plus gros processeurs, mais en tout cas, si vous avez envie d'un CPU qui fait couteau suisse, le 12600K, il n'y a pas de question à se poser, sera bien plus performant que le 5800X de 10 à 15%. Et pour les streamers, bah, il n'y a même pas besoin de se poser la question, le 12600K est vraiment fait pour vous les amis. Vous pourrez jouer et streamer en très bonne qualité, sans compromis, donc il n'y a pas de question à se poser. Foncez, voilà. Bon, et bien comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, on n'oubliera pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, les réseaux sociaux, et de me dire en commentaire si la vidéo t'a plu. Et finalement, ce que tu en penses de ce 12600K, si tu trouves ben, ça assez hypant, le fait que Intel revienne dans la course ou non. Et bien sûr, ben, j'espère te revoir dans très très peu de temps, parce qu'on va bientôt tester ceci sur la chaîne, donc le 12900K face au 5950X, avec le même genre d'approche que ce qu'on a fait là, et savoir quel est le plus intéressant de ces deux CPU, mais je ne vais pas vous teaser, j'ai déjà un avis sur ce CPU. Enfin, c'était Geekfion, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à la prochaine, ciao ciao !